L'événement de ce début d'année 2014 sur le plan économique, c'est ce pacte de responsabilité proposé aux entreprises par le président de la République lors de ses vœux le 31 décembre au soir. Pacte de responsabilité qui, aujourd'hui, première journée utile de l'année, a reçu un écho évidemment très favorable du MEDEF et notamment donc de Pierre Gattaz, le président de ce syndicat patronal qui avait lui-même proposé il y a quelques mois de créer des emplois si le gouvernement mettait en place les conditions favorables. Alors tout le monde est aujourd'hui très satisfait, à l'exception bien entendu de la gauche aujourd'hui qui critique politiquement cette orientation. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement de baisser les charges des entreprises pour créer des emplois. Même si le MEDEF a l'air très satisfait aujourd'hui, il faut bien rappeler que la création d'emplois, c'est avant tout pour une entreprise une perspective de développement de son volume d'affaires, de ce qu'on appelle le carnet de commandes. Alors il peut y avoir en effet des conditions favorables au développement du carnet de commandes, comme une stabilité fiscale ou une stabilité juridique, mais ce n'est pas simplement en accordant des avantages aux entreprises et en baissant les charges qu'on fera augmenter le nombre d'emplois dans notre pays.